Dès que je sens l'odeur de l'asphalte, je pense à Maury. C'est le dernier truc dont je me souvienne, l'odeur épaisse de l'asphalte. Et la première chose que j'ai vue en émergeant, c'était son visage. Elle m'a dit qu'elle réparerait ma bécane, gratos, sans aucun engagement de ma part. C'est là que j'aurais dû piger que les choses ne sont jamais aussi simples. Ouais, quand je pense à Maureen, je pense à deux choses. L'asphalte et les galères. Hyperger ! Des cons à bouffer de la poussière ! Monsieur Corley, si seulement vous acceptiez de réfléchir à mon plan, à ma Je vision. Connais ton plan, Hyperger ! Tu attends que je crève pour pouvoir piquer ma place dans ma société ! Ce que vous dites est horrible, monsieur. Je n'attends pas que vous soyez mort. C'est terrible, je ne t'ai jamais vraiment encadré, hein. Mais tu as le sens des affaires et un instinct d'enfer, et ça, je le respecte. Oh, merci, monsieur. Mais ta dernière idée, là, d'aller à une réunion des actionnaires avec un gang de motards, tu les prends pour des cons ou quoi? Pas eux, les actionnaires, monsieur. C'est bon pour notre image d'être vu en compagnie des véritables clients de Corley Motors. Hey, qu'est-ce que tu sais de nos vrais clients, hein, Adrian? Tu n'as jamais conduit une bécane de ta vie. Vous savez très bien que j'en aurais une depuis longtemps, si je n'avais pas mes problèmes de tympan. Tes oreilles n'ont rien du tout. C'est ce qu'il y a entre les deux qui m'angoisse. Ben, on est raide. Ouais. Et si on se fait pas du cash vite fait, on va être dans une sacrée merde. Du calme, mec. Je sens que quelque chose va arriver. Un gros truc. Tu ferais mieux de rester ici, Rip. Ici, c'est strictement réservé au moteur. D'accord. Qui c'est le type qui est passé par-dessus ma bagnole? Il en met du temps. Pourquoi est-il si lent?
Le vieux a peut-être des ennuis. Ouais, peut-être qu'ils l'ont emmené derrière et qu'ils lui ont cogné dessus à coups de poutre. Une éventualité séduisante, mais peu probable. Il doit être plutôt en train de les endormir avec ses histoires du bon vieux temps. Mais Malcolm, c'est pas illégal, ça? À mon époque, ça ne l'était pas. Alors, vous roulez avec qui, maintenant? Avec moi. Mais je suis sûr qu'il préférerait rouler avec votre petite bande. Il me semblait avoir dit d'attendre dans la bagnole, Ripburger. J'ai pensé que vous auriez besoin d'aide pour les négociations commerciales, monsieur. Les négociations commerciales? Oui. Nous sommes venus pour vous proposer du travail, à vous et à vos hommes. Monsieur Corley veut une escorte pour la réunion annuelle des actionnaires de Corley Motors. Et on a une tranche de service d'escorte, à votre avis? Vous serez dédommagé pour votre déplacement, bien sûr. Ça me branche pas. Il est pourtant évident que vous avez besoin d'argent. Écoutez, nous ne sommes pas à vendre. Les putois ne sont pas une attraction de cirque. Même si c'était la dernière volonté de Malcolm Corley. Ripburger! Ça suffit, hein, je vais... Du calme, Malcolm. Si vous le permettez, j'aimerais sortir avec Monsieur Ripburger pour causer un peu. Excellente idée. Et le médecin dit qu'il n'en a plus que pour quelques mois. C'est un sale coup pour nous tous. Non seulement c'est un mec sympa, mais c'est aussi le dernier constructeur de bécane du pays. Qu'est-ce qui va arriver à Corley Motors s'il meurt? Ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. Et si vous nous accompagnez à la réunion des actionnaires, vous saurez tout. Pas question, Ripburger. Les putois ne sont pas des mercenaires à louer. Si vous voulez louer des muscles, vous n'avez qu'à aller voir les pouraves. Le vieux dit qu'il veut les putois ou rien. Alors je crois que ce ne sera rien. C'est votre dernier mot? C'est ça. Écoutez, j'aimerais vous faire une dernière offre. Bolus, prends ce blouson et va chercher sa moto. Il va falloir s'occuper de ce bébé de 150 kilos dans les moindres détails. Il faut qu'on croie à un accident. Ce petit prétentieux croit que je vais lui laisser la direction de Corley Motors quand je partirai. Eh, à mon vieux, il va avoir une belle surprise. Hé, hey, mais où va Ben? Votre collègue a accepté notre généreuse proposition, finalement. En fait, il est parti devant en reconnaissance pour repérer la route. Oui. Bon alors, en route, les gars! Thank you.
Attention, ne jouez pas dans ou autour de la benne à ordures. Ne cognez pas la benne à ordures. Ne dormez pas dans la benne à ordures. L'utilisation de ce conteneur pour le stockage temporaire de restes humains est considérée comme une violation des règlements d'hygiène. Tiens, prends ça. Un rigolo m'a piqué mes clés, et j'aime pas beaucoup ça. Ouvrez. J'ai, réparé ta porte. Elle était un peu coincée. Écoute, je veux pas d'ennuis. Laisse-moi en dehors de tout ça, ok? Est parti avec ces mecs en costume cravate. Alors qu'est-ce que tu prends, mec? Je cherche mes clés. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je suis sûr que tu es au courant de toute cette magouille. Ah ouais? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais ce qui ferait vachement bien sur ton nez? Non, quoi? Le bar. Oh. Maintenant, me cherche pas trop, ok? Ok, d'accord, d'accord. J'ai tes clés, mais je sais rien. Ils avaient des flingues. Ils m'ont dit de te retarder le plus longtemps possible. Pourquoi? Je sais pas. Je les ai entendus parler d'une embuscade sur la route. Quoi d'autre? Oh, rien. Écoute, mec, voilà tes clés, ça va? Quelqu'un a parlé de te tuer et de maquiller le meurtre en accident. Je crois bien qu'ils ont pas réussi leur coup. Mais pourquoi une embuscade contre les putois? Je ferais mieux de m'arracher. Sur la route, je suis indestructible. Personne ne peut m'arrêter. Mais ils essayent quand même. Hey, c'est pas toi le chef de ces enfoirés de putois? Ouais, tu me gênes pour passer. Hey, faudra qu'ils ferment, mec, parce qu'on est en formation. Quand les pourras sont sur la route, il leur appartient, t'as figé? Écoute, mec, c'est sérieux. Quelqu'un a tendu une embuscade au putois. Non. Quelqu'un a tendu une embuscade au putois? Ah, mon Dieu! Que faire? Bon, y'en a marre. Dis-nous. Oh.
génial, c'est vraiment horrible. Mon éditeur va sûrement les imprimer en couleur. Et maintenant, je parie que je dois vous aider, hein? Écoutez, arrêtez de gémir comme ça. Je connais quelqu'un qui peut réparer n'importe quoi. Vous êtes quoi exactement? Je suis mécanicienne et apparemment assez bon médecin aussi. Je m'appelle Maureen. Moi c'est Ben. Pourquoi vous m'avez cogné sur la tête, Maureen? Vous avez eu un accident. Une journaliste vous a trouvé et vous a ramené ici avec votre moto. Ma bécane? Qu'est-ce que vous avez fait à ma bécane? Je l'ai sauvée de la mort. Un peu comme vous d'ailleurs. Mais j'aurais quand même besoin d'un coup de main pour finir. Alors, ça avance? C'est déjà mieux, mais vous devez m'aider. La fourche est morte. Il faut en trouver une autre. Et on m'a volé mon chalumeau, c'est incroyable, non? Je ne peux pas finir sans chalumeau. Et il manque aussi un élément essentiel. J'ai bien colmaté votre réservoir, mais il est à sec, et je n'ai pas une goutte d'essence. Bon, je vais vous laisser bosser. Si vous avez besoin d'aspirine, faites-moi signe. Yes. Oh, c'est moi avec mon oncle Pete. Il a pris soin de moi quand mon père est parti. À l'époque où il habitait au ranch du Vison. Quand il est mort, il m'a légué le ranch. Vous élevez des visons? Non. Le ranch est abandonné depuis bien avant sa mort. Mais j'y vais toujours quand j'ai besoin de m'isoler un peu. C'est bon, vous n'êtes pas encore mort. Je vais pouvoir prendre votre témoignage. Il paraît que vous m'avez sauvé la vie. Oui, mais ne vous faites pas de fausses idées. Ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Je cherchais un bel accident de la route pour faire des photos et vous êtes arrivé à point. Une photo de moi en train de saigner n'a aucun intérêt. Ce n'est pas pour le sang, mais votre position quand vous étiez allongé, tout tordu, on aurait dit un bretzel. Bon, je ferai mieux d'y aller. Soyez prudent, roulez doucement. Dérangez pas en pleine phase créative, mec. Je n'ai pas de temps à perdre avec des nuls comme vous. Je suis un ami de Mo, j'ai besoin de... Écoutez, je ne lui ai pas volé son chalumeau. Vous m'entendez? Je suis pas un voleur. Alors fichez-moi la paix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon chalumeau. Comment l'avez-vous trouvé? Bon, il traînait dans un coin. Avec une fourche et un peu d'essence, ce sera bon.
bougez plus. Hé, je vous parle. Vous êtes dans une propriété privée ici. Si vous ne bougez plus, nous ne tirerons pas. Je dois dire feu avant que tu fasses ça, Floyd. Désolé, boss. C'est l'excitation. Où est-il? Je l'ai eu la dernière fois, je te l'ai dit! Alors qui a déclenché l'alarme, hein, Floyd? Peut-être que quelqu'un veut nous faire marcher. Non, c'est lui! C'est ce type que tu rates tout le temps! Ben, si tu pouvais bouger un peu moins quand je tire! Je descends pour voir de plus près. Je ne vois personne! Il a dû s'enfuir? Non, on l'aurait vu d'ici. Il doit se cacher en haut de la tour. Il est coincé! Il faut monter. Qui c'est ce type là-bas? C'est lui, vas-y! Où ça? Oh là là, vite, passe de l'autre côté, on va le coincer! Où est-il passé? On laisse tomber, boss? Non, on va appeler des renforts. Ah, bon. Vous avez pris ça dans la tour? Pas exactement, non. Il ne manque plus qu'une fourche et c'est bon. Ferraille. C'est d'une fourche comme ça que j'ai besoin, là-haut. Gentil, le chien-chien, gentil. Bon appétit, sale bête.
Belle fourche. Où l'avez-vous trouvée? À côté des râteaux et des bêches. Bon, je crois que j'ai tout. Attendez-moi dehors, je vais terminer. Je vous prépare une petite surprise. Moi, presque terminé avec ma bécane. J'ai peut-être une chance d'empêcher cette embuscade. Une embuscade? Vraiment? Où ça? Quelque part entre ici et Corville. Mon gang escorte la limousine de la direction. Merci pour m'avoir dépanné. J'ai une déclaration pour vous. Attention, la voilà. Alors, c'est cool, s'il vous plaît. Vous êtes génial. Je devrais me planter tous les jours. Alors, c'est quoi la surprise? Oh, c'est juste un petit prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer. Vous parlez sérieusement? Oui. Je croyais que seulement les charognards... J'ai de très bons contacts. Bon, alors, vous allez l'essayer, oui ou non? Dommage que je n'ai pas d'appareil photo. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Cassez-vous, ça suffira, d'accord? Vous faites peur à mes clients habituels. Au revoir, Mo. Envoyez-moi une carte postale de l'embuscade. Il est retourné à la tour. Cette ordure a vraiment du culot. Allons-y, à toutes les unités, suivez-moi. Tu as fait pour être derrière nous. Où sont les costards cravates? Gorley fait un arrêt pipi. Il a une vie si grosse comme un dé à coudre, mec. Eric Burger. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Écoute, Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé quelque chose sur la route? On va avoir des ennuis? Non. On est en plein dedans. Un arrêt pipi dans un petit coin pour soulager un petit besoin. Quand elle me fait péter les joints, je peux dire que ça m'a fait du bien. En tout cas, jusqu'à ma mort, c'est une motarde qui aura mon corps. Hé ! Allez, le vieux, je t'ai eu. Maintenant, il faut quelque chose de plus intéressant. Une embuscade, par exemple. L'intrigue commence à prendre forme. Tu n'aurais pas dû te moquer de moi au conseil d'administration, Malcolm. C'est un véritable psychodrame. J'ai eu. Hey, regardez ce que j'ai trouvé dans les buissons. Qu'est-ce que c'est? C'est un étranglement. Venez plus près, je vais vous montrer. Elle a un appareil photo. Je vais l'attraper. Non, Nestor va s'en occuper. Tu as un autre contrat important à régler avec la famille Corley. C'est vrai. Mais n'oublie pas de détruire cet appareil photo. Ouais. Bon. Maintenant,
Malcolm, un petit dernier pour la route. Corley ? Corley ? Ben ! Je crois que Ripburger n'a pas pu attendre ma mort. Il n'y a que lui qui soit capable de frapper un vieillard. C'est Ripburger qui vous a fait ça ? Oui, il savait que j'allais mourir. Et il savait qu'il serait viré après ma mort. D'après mon testament, il veut prendre le contrôle de Corley Motors, Ben. Vendre l'usine à des étrangers, licencier des employés et construire des minibus. Tu comprends ? Des minibus ! Tu dois me venger, Ben. Et jure-moi que tu lui feras bien mal. Je vous le jure. C'est ma fille qui doit reprendre mon usine. Vous avez une fille ? Oui. C'est une sacrée mécanicienne, si tu savais. Elle a démonté son premier carburateur à l'âge de 4 ans. Je la surnommais ma petite dynamo. Il faut retrouver ma fille, Ben. Il faut retrouver Maureen. Maureen ? Maureen tiendra le coup le temps que j'arrive. L'arme, je comprends. Mais pourquoi cet appareil photo ? Pour qui travaille ce type ? Corley Motors ? Hey, Nestor, qu'est-ce qui bouge là-bas sur ce tas ? Je ne sais pas, Rip, mais je crois que ce tas, c'est Bolus. Ah oui, ça me revient. C'est toi le plus intelligent, pas vrai ? Je vois la cabane de Mo, mais pas la limousine. J'y arriverai peut-être avant eux. Finalement, j'ai peut-être pas réussi. C'est la photo de Mo avec son oncle Pete au ranch du Vison. Elle dit qu'elle y allait quand elle avait besoin de s'isoler. C'est mon seul indice pour l'instant. Il est cassé, ouvert et il n'y a pas de film dedans. J'en ai pas besoin. Ben, je n'ai pas le temps de parler. Vous savez, ça pue un max là-dedans, mais j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Vous devez m'aider. Allez voir mon éditeur à Corville et dites-lui que j'ai des photos du meurtre de Corley. Vous avez des photos ? Oui, mais un voyou m'a volé ma caméra. Alors vous n'avez pas de photos ? Non, mais j'ai suivi le type jusqu'à Mullanway. Mais je ne veux pas aller là-bas. Il me tuerait. Allez voir mon éditeur, il doit me sortir de là. Prenez cette fausse carte d'identité pour passer les barrages. Ma carrière dépend de ces photos. Aidez-moi, Ben, vous êtes mon seul espoir. Oh, vous minez pas. Je vous dois bien ça. Hé, hey, le tueur ! Quoi ? Hé, hey, c'est cool ! Je ne dévoilerai pas ton secret. Quel secret ? Tu n'as pas vu le journal à la télé ? Et je vous rappelle donc la nouvelle sensationnelle de la soirée. Malcolm Corley, le fondateur de Corley Motors, a été retrouvé mort sur une aire de repos à la sortie de Mullanweed. Apparemment, le sympathique vieillard et PDG a été sauvagement frappé à la tête et au cou, cruellement et sans aucune pitié. La police a arrêté une bande de motards tristement célèbres, plus connus sous le nom de Putois. Non,
mais leur chef, lui, n'a pas été appréhendé. Et il court toujours. Des barrages ont été établis sur la 9 pour tenter de retrouver cet ignoble et dangereux criminel. Nous avons été piégés. Les barrages, ça fait vraiment chier. J'aurais jamais dû laisser les autres ici. Hé, je veux rien savoir de plus, hein, ok? Et tu vas pas me transformer en accessoire après ça? Hé, calme-toi, mec. Il a pas l'air très jouasse. Je vois que vous avez du temps à perdre. Sans parler des égratignures. Je vous dérange? C'est votre camion là dehors? Vous pouvez m'emmener? Dites, j'ai une tête de chauffeur de taxi. Allez vous faire voir. En plus, ils ne laissent passer personne au barrage. Même pas les routiers? Ils m'ont fait faire demi-tour. Police uniquement. Les chiens. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Non, ça ne risque pas. Pourquoi? Vous avez peur de quelques flics? Non, parce que je ne vous aime pas. Je viens de tuer un homme. Moi, je vais pas tarder. Je crois que c'est pas très bon pour la table. Hé, hey, Korag! Oui, mec? Je vais sculpter un peu ta table, d'accord? Ici, c'est le client qui tient le couteau qui a toujours raison. Merci pour la conversation. Il y a vraiment des gens sympas ici. Emmett n'est pas vraiment du genre convivial. Oh, ferme-la, Korag! Je dois aller là-bas, dans ce ranch du vison, là. Moi aussi, je dois aller par là. Mais les poulets sont sortis du poulailler ce soir. Poète par-dessus le marché, hein. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fausse carte d'agent du FBI. Elle pourrait servir s'il y a des barrages. Alors on y va? Et si jamais ils fouillent derrière et qu'ils trouvent ma bécane? Elle est sous un tas d'engrais concentré en poudre. Croyez-moi, personne n'ira fouiller dans cette saleté. Bon, vous allez vous mettre dans le moteur. Hein? Dans le moteur? Ouais, je trafique toujours plein de trucs grâce à ça. Et des trucs qui valent plus cher que vous. Alors si vous mettez vite votre carcasse là-dedans, nous pourrons arriver à ce ranch du vison avant l'aube. J'espère que vous êtes meilleur avec un levier de vitesse qu'avec un couteau. Ouais, ouais. Je dirais qu'il y a une fuite de fuel. J'adore les feux de moteur. Désolé, mais personne ne peut aller plus loin. Police uniquement. Je bosse avec les fédéraux, mon vieux. Venez vérifier. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une opération ultra secrète d'offensive agricole. Qu'est-ce que vous transportez? De l'engrais. Bon, ça va, allez-y. J'espère que vos QTR attraperont votre homme. On roule plus. Y a un problème? C'est un tuyau mal fixé, rien de grave. J'ai déjà sorti votre moto. Elle est là-bas. Bon, bah, c'était sympa, mec. Mais je dois y aller, j'ai encore de la route à faire. Il y avait bien une fuite de fioul, et il m'a piqué mon tuyau. Ce routier va me le payer de sa vie. Fermé. Ouvrez, bande de visons. Fenêtre par où Mo regardait quand elle était petite, en rêvant de réparer un grille-pain. Il y a plein de bécanes.
C'est l'emblème des charognards. J'ai du mal à croire que Mo était dans la bande des charognards, mais finalement. Sinon, comment on aurait pu avoir ce booster? On dirait du vison. Et un tuyau que je pourrais utiliser sur ma bécane. Je crois que Mo m'en voudra pas si je vais en prendre ça. Mo ? Je vais en prendre juste un peu. Il n'y en a plus. Elle tient plus à grand chose maintenant. Le camion les bloque. Quel bordel!
regarde cette débandade. Une moto. Oui, mais je vais me servir de la moto de collection qu'elle a retapée avec son père. C'est une histoire de sentiments. Tu peux pas comprendre. Allez, plus vite. Combinaison de vol expérimentale du professeur Papillon. Une des nombreuses victimes de cette gorge. Le célèbre saut de la gorge de Ricky Miran. La dernière photo du professeur Papillon de son vivant. Avertissement. Les sauts au-dessus de la gorge de Poyahoga sont absolument illégaux et extrêmement dangereux. Nous vous conseillons plutôt d'utiliser le pont de Poyahoga pour franchir la gorge. Et soyez prudents sur la route. Équilibriste, parapentiste, projectile humain, nombreux sont ceux qui ont tenté de franchir la gorge de Poyahoga, et rares sont ceux qui ont réussi. Mais Ricky Miran, la torche volante, a réussi à franchir la gorge sur une moto Corlet de série. En fait, on découvrait plus tard qu'il avait modifié sa Corlet d'origine, en rajoutant un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer, et un système de soufflerie. Miran a déclaré qu'il serait d'accord pour tenter encore ce saut et laver son honneur bafoué, mais sa rampe de lancement spéciale a été volée par une mystérieuse bande de motards. Un booster et une soufflerie d'Overcraft? Merci pour l'astuce, Rick. Ouais, c'est vrai qu'il me faut aussi cette rampe de lancement. Mal pour de la récupération. Depuis que t'as quitté les putois. Eh, hey Ben, comment va le gang? C'est une longue histoire. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, Ben, la retraite, c'est rasoir. Alors je me suis dit, va sur la route de la vieille mine pour chercher la bagarre.
Tu cherches la bagarre ici? C'est à ça que sert la route de la vieille mine, fiston. Pépé Soupape, j'ai besoin de ton aide. Le gang est en prison et la loi... Je suis plus le chef des putois, Ben. C'est toi, maintenant. Tu ne vois pas que je suis en vacances permanentes? Tu connais des trucs pour la baston, Soupape? Allez, Ben. C'est toi le plus fort, non? Ouais, mais ces pouraves sont encore plus cruels. Mais ils sont pas très intelligents. Je suis sûr que tu pourras t'en sortir. Les charognards sont rapides et idiots. Ceux qui ont des boosters sont durs à rattraper. N'oublie jamais que c'est pas toujours une question de muscle, Ben. Mais aussi une question de timing. Qu'est-ce qu'ils ont, ces caverneux? Fais gaffe, Ben. Ils ne sortent pas pour le sport. Ils piquent toujours les gros accessoires. Ça fait partie de leur religion. Évite-les. Ce sont des tueurs aveugles, cœur de pierre. Comment font les caverneux pour conduire s'ils sont aveugles? En fait, s'ils ne portaient pas ces lunettes spéciales, ils ne seraient pas aveugles. Il y a des capteurs spéciaux dans leurs lunettes pour détecter des points sur la route, et d'autres repères qui leur permettent aussi de s'orienter. C'est dingue, hein? Tu sais si on peut contourner la gorge de Poyahoga? La contourner? Elle mesure des dizaines de kilomètres, mais qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les ponts? Il a sauté. Oh, et dire que j'ai raté ça. Eh bien, tu pourrais sauter par-dessus, comme Ricky Miran. Les caverneux ont toujours sa rampe dans leur repère, tu sais. Où se trouve le repère des caverneux exactement? Quelque part sur cette route. Mais l'entrée est totalement invisible sans le matériel spécial des caverneux. Je peux plus parler, Ben. J'ai bouffé trop de moustiques. Bon, à plus, Pépé. Montre-leur ce que tu sais faire, putois. C'est bien un prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer. Et bien sûr! Que tu t'en es remis, mes poings commençaient à me démanger.
charge là-dedans. Les mecs sont vraiment sinistres. Vous me ferez pas entrer là-dedans. Et qui c'était? Mes frères, nous avons reçu la visite d'un grand esprit. L'esprit de Ricky Miracle, qui est venu pour réclamer sa bombe. Mais pourquoi il a laissé ici? Il ne peut pas l'utiliser, c'est un esprit. Il ne fait qu'exprimer sa colère. Il ne peut lui faire honneur. Oh, grand esprit en colère de Ricky Miracle, nous honorons ta fureur. Mais pour l'instant, il faut ramener la rampe.
Cette bécane a une sacrée gueule, mec. Bon, j'ai bricolé ma bécane au poil. Je viens pour la réunion des actionnaires. Monsieur Ripburger a ajourné la réunion jusqu'à ce que les meurtriers de Monsieur Corley soient arrêtés. Tous les actionnaires ont été prévenus. Ouais, j'ai pas interrogé mon répondeur ces jours-ci, mec. Laissez-moi entrer. Cassez-vous. Connard. L'authentique panoplie des gadgets Corley Motors officiels. C'est ça, bien sûr. Allez-y, essayez, mais n'allez pas trop loin avec. Achetez un de nos splendides pagnons. Tout est là, spécialement pour vous. On dirait qu'elle fait mythe. La gamme complète des véritables souvenirs Corley Motors. Et voilà, maintenant les pistes sont mortes. Votre propre destructomobile télécommandé. Excusez-moi, dites, ces t-shirts là, ils sont en coton? Eh bien, voyons voir. Oui, oui, c'est du pur coton. Oh, c'est dommage, je suis allergique au coton. Tous nos lapins sont... ce champ. J'ai entendu des tas de choses au sujet de ces charognards. Et je suppose qu'elles sont vraies. Ces armes pesaient un maximum.
petit lapin. Les lapins officiels du Destructorium Corley Motors. Et nous avons aussi des... Avec ça, ça devrait gazer. C'est ça, bien sûr. Allez-y, essayez, mais n'allez pas trop loin avec. De l'usine. Tiens bon, bébé! Papa arrive! Maintenant, c'est entre moi et les lapins. Planter le champ de mine. Ils sont soigneux, ces charognards. Je te parlais, Suzy. T'es sûr? Oui, c'est lui qui a tué mon père. Allez, les charognards, on y va! Allez, finissons-en. Attendez, moi, vous faites une grave erreur. Oui, c'est vrai, Ben. Vous avez raison. Nous n'avons pas besoin de nous presser. On devrait tirer au sort. Hein, Suzy? Hé hey, moi, j'ai toute la nuit, pas de problème. Vous l'avez entendu, les gars? On va tirer ça au clair. Sinon... Sinon quoi? Je vous dirai des gros mots. Oh, quoi par exemple? Ma petite dynamo. Mais comment? Où avez-vous entendu ça? Votre père. Il me l'a dit juste avant de mourir. Vous avez cogné sur mon père et après vous avez parlé du bon vieux temps? Je l'ai pas tué, c'est Rip Burger. Une fille a pris des photos, mais le type qui vous cherchait a pris son appareil. J'ai toujours la pellicule. Alors faites-la développer, d'accord? Pendant que je rentre encore dans mes vêtements. Bon, ne bougez pas. Hé, hey, attendez! Je suis désolé. Ouais, bon, ça va, y a pas de lézard. J'aurai la peau de ce Rip Burger, même si je dois mourir pour ça. Non, il faut le piéger à la réunion annuelle des actionnaires. Comme il sera foutu, mon gang sera sauvé, et votre père aura ce qu'il voulait. Vous vous occuperez de Corley Motors. Rip Burger a annulé la réunion des actionnaires. Il a déclaré à la presse que la réunion serait ajournée tant que les meurtriers n'auront pas été retrouvés. Alors pas de réunion tant que nous ne serons pas morts tous les deux. On pourrait peut-être s'arranger. Bon,
Allez, on y va? La fausse mort de Ben et Maureen, acte 1, scène 1. Adrian Rittberger tentant désespérément d'attirer Maureen hors de son antre, a mijoté un plan aussi minable que lui. Le premier prix de la course de ce soir est une splendide moto de collection restaurée par Mo et son père. Rip espère que Mo tentera de gagner cette moto à laquelle elle est très attachée. Ben et Mo vont donc enfiler leur déguisement et se présenter pour le derby de la démolition, qui se terminera tragiquement par l'explosion de leur voiture dans laquelle ils mourront tous les deux. Une question. Gardez vos questions pour la fin, merci. Bon. Les explosifs installés dans la voiture de Mo ne peuvent exploser que lors d'une collision frontale avec celle de Ben. Ce siège éjectable éjectera Mo loin de l'explosion. Elle atterrira ensuite en toute sécurité grâce au parachute. Vous ne croyez pas que quelqu'un peut la voir s'éjecter ? Non. Ils seront en train de vous regarder brûler. Ouais, justement, j'ai une autre question. Quand votre voiture explosera, vous en sortirez avec les vêtements en feu et vous attirerez l'attention du public en courant dans tous les sens. Dans votre jolie combinaison en amiante, bien sûr. Voilà ce que j'appelle un plan. Bon d'accord, allons faire sauter ces petites chéries. Ok les gars, accrochez-vous bien à vos hot dog stars, c'est bientôt le départ. De la célèbre course organisée par Corey Motors, le marathon de l'Ultimcara. Et de la destruction globale pour nous allons maintenant faire connaissance avec nos gladiateurs. Ce mystérieux personnage à cagoule n'a pas voulu nous révéler son vrai nom. Il préfère se faire appeler le Vengeur Inconnu. Et ça ne nous dérange absolument pas, n'est-ce pas? Ils sont vraiment ridicules. Ils croient vraiment qu'ils vont m'avoir avec ces stupides déguisements. Et juste à côté de lui, une autre surprise. Je vous demande d'applaudir très fort notre nouvelle pilote, la reine de la classe, Doreen Schmorley. Bon, les gars. Liquidez-les. Alors on ne partira pas sans elle. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je commence à avoir le feu aux fesses, moi.
Taisez-moi ce feu follet tant qu'il brûle encore. Oh, regarde ça. Vous l'avez eu? On l'a enfin eu, Bolus. Maintenant, Redburger va nous nommer vice-président, comme il nous l'a promis, et nous donner 10 000 actions chacun. Drôle d'odeur. Qu'est-ce que c'est? Le moteur chauffe? Bon, finalement, je viens quand même de rafler 20 000 actions. Bon. Maintenant, la réunion des actionnaires. Et où est la bécane? Devant vous par terre, monsieur le vengeur masqué. Quoi? Mais et votre attachement sentimental, tout ça? Écoutez, Ben, ce n'est qu'une moto. En plus, je peux la remonter en moins d'une heure. Si je peux trouver cette clé, bien sûr. Mais de quelle clé parlez-vous? La clé du coffre de papa. Je me souviens qu'il l'avait cachée sur cette moto. Mais j'ai tout démonté et je n'ai pas trouvé l'ombre d'une clé. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'important dans ce coffre? Les dernières volontés de mon père. J'espère qu'il aura finalement décidé de dire la vérité à mon sujet. Pourquoi vous a-t-il caché pendant toutes ces années? Il ne voulait pas que les gens sachent pour ma mère. Qu'est-ce qu'elle a, votre mère? Ce n'est pas ma mère. Ah. Et comment faire pour entrer dans l'usine? Derrière l'usine, il y a un passage secret qui mène directement au bureau de papa. Il me faisait entrer en cachette pour que je l'aide à créer ses nouvelles motos. Parce qu'il était trop vieux pour le faire tout seul? Non. J'avais à peine 6 ans. Comment faire pour trouver le passage secret? Ce n'est pas très facile. Il faut attendre jusqu'à ce que les compteurs soient tout noirs. Et il suffit de taper au bon endroit sur le mur. Bon, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est un cargo industriel Jumbo Jet C330, modèle gros cigare. On veut le remettre en état pour faire les concentrations. Vous allez essayer de faire voler ce truc? De le faire rouler, Ben. Rouler. Ce mastodonte ne peut plus voler. Ni moi, d'ailleurs. Le vol s'est bien passé? Il y a eu des explosions quand j'ai décollé. J'ai atterri dans un champ de mine. Mais sinon, c'était bien. Au fait, je vais bien. C'est gentil de me demander de mes nouvelles. Bon, maintenant, aidez-moi à trouver cette clé. Vous vous souvenez que vous avez essayé de me tuer? Oui. C'était une belle leçon, hein? Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Tenez, prenez les photos. Je n'en veux pas. Montrez-les à quelqu'un d'importance. Sorte de carte. Et une bande. J'espère que c'est le testament de Malcolm Corley. On dirait que la réunion a commencé. C'était non seulement un dirigeant inspiré, mais aussi un grand ami. Sa mort nous affecte tous très profondément. Malcolm et moi, nous parlions souvent du futur. Nous parlions du jour où Corley Motors oublierait ses humbles débuts pour entrer dans un nouvel âge. Et même si sa mort tragique nous l'a enlevé beaucoup plus tôt que prévu.
Son rêve, lui, est resté intact. Mon devoir est de concrétiser ce rêve en sa mémoire. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter aujourd'hui le futur de Corley Motors. Le minibus Corley. Corley avait raison, mais j'aurais jamais cru qu'il en arriverait au minibus. Hé, hey, qui êtes-vous? Vous êtes là depuis longtemps? Oh, sécurité! À l'aide! Sécurité! Je l'avais mis du temps. Il est parti en courant dans le couloir. Dépêchez-vous! Mavis doit avoir des visions. Bravo! C'est un désastre! À qui le dites-vous? Je crois qu'il va y avoir un temps mort assez long. Vous n'avez qu'à leur raconter des histoires drôles. Je n'en connais aucune. Vous savez, ça me rappelle une anecdote très amusante. C'était un... Je n'ai plus d'idée. Et maintenant, ce diaporama va vous montrer notre nouvelle stratégie commerciale. Plus agressive. Bonjour! Si vous entendez ceci, c'est que je me suis fait descendre. Ben, il faut bien que les anciens cèdent la place aux jeunes. Et c'est pour ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. J'ai tout préparé pour ma succession. Et j'ai choisi quelqu'un pour diriger Corley Motors. Et ce n'est certainement pas cet escroc d'Adrian Ripburger. Rip, ce n'est pas dans mon bureau que tu vas t'installer, mais en prison! Ah, j'ai trop souvent écouté ses conseils. Et je n'aurais pas dû. Il m'a même persuadé de ne jamais révéler l'existence de ma fille. Il avait tort. J'aurais mieux fait de m'occuper d'elle. Maureen, j'espère que tu me pardonneras et que tu accepteras de reprendre Corley Motors à ma place. Bon, allez, ça suffit. Comment j'éteins ce truc-là, hein? Je suis désolé de vous avoir infligé... Cet extrait d'une des séances de psychanalyse de Malcolm. Vers la fin, il avait des visions paranoïaques. Il était hanté par des forces puissantes qu'il imaginait. Et en voici une. Mesdames et messieurs, je m'appelle Maureen Corley et j'en ai une très bonne à vous raconter. Quand j'aurai terminé, vous comprendrez pourquoi. Cet homme devrait déjà être en prison. Hé ! Où est-il passé? Oh oh. Le voilà. Et ensuite, il a envoyé ses hommes chez moi. Vas-y, Ripburger. Quand on voudra te retrouver, il suffira de suivre ta piste. Oui, bien sûr, nous proposerons des révisions en 24 heures. D'autres questions? Quand on parle du loup, venez par ici, Ben. C'est formidable, hein, ben. Nous voilà enfin à la place qui nous revient. Et
après, vous irez acheter des tailleurs chics pour le bureau. Ne m'en parlez pas. N'oubliez pas, vous allez être riche. Pour l'instant, je rêve surtout d'un peu de calme et de tranquillité. Ferraille était hors service. J'ai dit qu'il pouvait plus voler, mais rouler, ça, il peut encore. Il vaut mieux voler parce que nous allons tout droit vers la gorge. Ritburger, vous allez tous nous tuer. Taisez-vous, Ben. Ne gâchez pas mon final grandiose. Comment est-ce qu'on arrête cet engin? Dans le cockpit. Toujours vivant? Moi, oui. Mais Ritburger, lui, je sais pas. Je peux le voir. Je crois qu'il a eu son compte. Remontez ici, vite! Dans l'avion.
un jeu pour lui. Et il l'a vécu selon ses propres règles. Il représentait un mystère pour la plupart d'entre nous. Mais il était aussi une inspiration pour nous tous. Il nous a donné la liberté. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné des ailes. Il nous a donné des roues. Merci, Malcolm Corley, de nous avoir offert un rêve qui ne finira jamais. Bon. Bon. On pourrait peut-être déjeuner ensemble la semaine prochaine. Ouais, sûr. C'est une super idée. Toute cette histoire ne changera rien entre nous, hein, Ben? Ce n'est pas parce que je dirige la compagnie maintenant, que j'habite un château et que je roule en limousine, que nous n'allons pas continuer à nous voir souvent. Hein, Ben? Écoutez, Mo, vous êtes dans un autre monde maintenant. Vous ne devriez plus traîner avec des types comme moi. Mais, Ben... Un instant. Allô? Quoi? Non, 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 c'est de la folie! Mais il est malade ou quoi? Reculez la réunion à 17h et dites au chef d'atelier que je viendrai examiner ses pièces moi-même. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Excusez-moi, vous disiez? Non, non, non. Cet alliage était défectueux depuis le début. Oui, d'accord, oui. Bon, très bien.
the population is greatly decreased, and now the odds are greatly increased that I may someday get a chance to kiss your lips. I thank the Lord each day for the apocalypse. Folks are mostly disfigured or dead, but sugar, I won't let it go to my head. My mama's face has dripped down into the dirt, but I'm still chasing Chitlin's whiskey and skirt. La 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 la.